Je suis en train de vider mon magasin, je suis en train de vider toute ma marchandise. Comme on a eu vent justement des manifestations de demain et de tous les casseurs qu'il peut y avoir, plutôt que d'attendre de quasiment l'inévitable, je préfère enlever toute la marchandise pour éviter qu'on me pique tout ça. C'est un peu bizarre, c'est limite un peu burlesque, je dirais même, parce que c'est vraiment faire du travail pour rien en fait. Et c'est malheureusement, on est obligé de faire ça. Ça représente pas mal d'argent et le problème c'est que si je me fais voler ma marchandise, je peux plus travailler moi. Même si je me fais rembourser après par une assurance derrière, ça équivaut à un mois ou deux de pertes sèches où je peux pas du tout travailler. Donc plutôt que d'attendre ça, je préfère vider et remettre dimanche. Aujourd'hui on le sent partout, hein, l'atmosphère, il est très bizarroïde, surtout dans Paris. Les clients ils ont beaucoup de mal à sortir, je le vois beaucoup et là en ce moment on connaît une réelle baisse. C'est lié à l'atmosphère qu'on a dans Paris. Oui, bien sûr, je comprends le mouvement, mais je comprends pas les casseurs qui s'y apportent. Ils peuvent manifester jusqu'à demain, c'est un droit de manifester, mais le droit de casser, je pense qu'on n'en a pas.